Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite des vidéos du concours, donc réception courrier, réception participation. Aujourd'hui on a donc la présentation de la participation de Odile. Odile à qui j'ai répondu par mail et ça y est, je reçois des notifications comme quoi ta boîte est pleine. Donc Odile, si tu regardes cette vidéo, pense à aller vider un peu ta boîte mail parce que je crois t'avoir répondu. Mais tu penses que je te réponds pas, mais en fait si, c'est juste que moi je reçois comme quoi ta boîte mail est pleine. Voilà, donc on va jeter un petit coup d'œil. Parce que potentiellement tu reçois pas aussi les autres mails importants. Moi à la rigueur, bon, on s'en fout, mais si tu reçois des trucs importants sur cette adresse là, tu risques de pas aller voir quoi. Donc j'ai entrouvert, donc je vais regarder. Donc Odile M qui m'envoie ça de Biganos dans le 33, je sais pas du tout où c'est. Je regarderai, mais non, comme ça je vois pas. Alors, hop. Alors je pense que ça c'est... Ah non, ça c'est l'ATC. Donc on a une superbe carte. Vous savez, je pense que c'est les kits qu'on a en ce moment en 15 par 15 là, ou 20 par 20. Les kits pour faire les cartes. Je reconnais un peu, je crois que c'est ça. Il y a des petites paillettes, ça brille, c'est très joli. Attendez, si j'allume, on voit peut-être mieux. Les paillettes. Ouais, là on voit. Vous voyez, tous les petits éléments. Donc c'est très sympa. Elle a fait un petit mot. Ouais, là il y a son mot, donc je vais le lire. Bonjour Cathy. Ah oui, alors pour l'info, il y en a qui se demandent pourquoi je m'appelle Cathy. En fait, c'est mon petit nom d'enfance. C'est-à-dire chez moi, mes parents, ma soeur, ma famille m'appellent Cathy. Mais officiellement, je suis Katia. Voilà. Et du coup, sur le scrap, sur l'adresse mail aussi, pour le scrap, tout ça, bah, quand j'ai créé la chaîne, je me suis appelée Cathy, Cathy Scrap et Couture, parce que je trouve que c'est un monde... Même si avec certains on se voit, hein, on se tutoie pas forcément, mais c'est un petit monde, le scrap, voilà, une petite famille, et du coup j'ai préféré m'appeler Cathy. Après, vu que je montre pas ma tête, parce que je travaille en milieu avec des jeunes, et je veux pas voilà, qu'ils puissent retrouver ma chaîne et ma tête et faire le lien, c'est pas, moi je me montrerai, hein, c'est pas un souci. J'ai pas de complexe plus que ça, c'est juste que je veux pas, voilà. Du coup, je me suis dit de pas mettre Katia, c'est mieux de mettre Cathy aussi. Tout est fait pour pas que les jeunes puissent faire le lien. Et voilà. Donc, juste petit aparté, parce que j'ai eu la question de temps en temps. Alors, vas-y, allez, je vais lire le petit mot. Bah oui, le but, c'est de mieux se connaître et de partager, effectivement, c'est aussi pour ça que j'ai fait la chaîne. Moi, en dehors de la chaîne, en fait, autour de moi, personne ne scrape. Donc, c'était un moyen de communiquer avec d'autres là-dessus, d'échanger et de partager. Et du coup, ça me fait super plaisir. Je m'étais dit, je tente quelques temps. Si ça se trouve, je vais en avoir marre de faire des montages. je vais pas être satisfaite de ma voix, de ce que je présente. Ça va m'énerver. Du coup, je vais arrêter. Puis, en fait, ça va. Je suis assez contente. Je suis pas satisfaite, hein, mais je suis assez contente de faire ça. Donc elle fait beaucoup de... Odile, tu fais beaucoup d'autres activités manuelles. Ah oui, et je sais qu'on a échangé, on connaît un peu la même situation du fait d'arriver sur le scrap et tout ça, parce qu'à la base on est un peu malade. On a des soucis de santé qui nous obligent à occuper notre temps, hein, puisque voilà, parfois on ne peut pas travailler ou des choses comme ça. Moi c'est momentané, heureusement ça va mieux, donc je vais reprendre le travail. Mais voilà, c'est vrai qu'après, quand on reste un an, deux ans, ou quand on ne peut plus du tout travailler, si on peut se trouver des petites passions et le partager, et ça occupe en fait, voilà. Et on en est, voilà, on a eu un peu la même expérience, hein, vis-à-vis du scrap. Bah oui, après, du coup. Et puis le scrap, c'est sans limite, exactement. Ben moi, j'espère que tu perceras sur YouTube. Il faut te lancer, Odile. Hein. Je sais que tu as des hésitations là-dessus. Fais une chaîne et tu verras bien. Moi aussi, je me suis dit, ça va pas intéresser. Ça va pas...
Et puis fais-le pour toi en fait. Fais comme moi, tu le fais pour toi. Peu importe comment tu t'exprimes, t'essayes de. Voilà, t'essayes, tu verras bien. Moi, je m'abonne, hein, d'office, je te le dis. Tu me files le nom de ta chaîne, je m'abonne et je te suis, il n'y a aucun souci. Moi, j'aime bien découvrir ce que les autres font. Tu donneras sûrement des bonnes idées, etc. C'est toujours intéressant. Quand je vois les idées que vous m'avez données, rien qu'en m'envoyant une ATC, mais moi je trouve ça génial quoi. Moi aussi je t'embrasse Odile. Et merci pour ta participation. Donc là on a la petite ATC. Je vais la mettre à l'endroit. Je vous ai pas bien montré si je voulais montrer. Je vous montre son ATC. Elle est super jolie. Elle a de la paillette là. Elle a utilisé les washi. Ça c'est top parce que des fois on en a plein et on les utilise pas. Ouais, elle a mis une petite poupette au milieu, mais dessous, vous voyez, c'est que des washi, je pense, hein. Ouais, c'est ça, c'est que des washi alignés les uns les autres. T'as très bien choisi, c'est très coloré, c'est joli. Et elle a fini par une bordure en washi argenté. Elle a mis des petits stickers de feuillage et de. Non, on dirait de la menthe. Et des petites baies, des petits cassis comme ça. Non, c'est des baies, je sais pas. Et donc, elle a mis une petite enveloppe. Et je crois que ça sent. Ah bah ouais, ah, c'est sympa comme idée. Donc elle a mis une petite enveloppe qui est ouverte. Hein. Et donc elle a mis une petite découpe de fleurs à l'intérieur. Je vais la remettre. Hop. C'est très sympa. Hop. Et elle a mis un petit merci et Zoubi Scrap. C'est marrant, j'avais encore jamais entendu Zoubi Scrap. C'est cool. Donc ça fait comme un petit message caché dans l'enveloppe. Hop, je le remets comme ça. Ça fait bien. J'aime bien l'idée. C'est une bonne idée. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut. Ah oui, elle est. C'est un sticker, mais est-ce que c'est toi qui as rajouté? Non, non, c'est ça. Il a un petit peu de gel pailleté dessus. Un petit effet embossé, en fait. Est-ce qu'on va arriver à le voir? Là, on voit, je pense. Au niveau de la fleur et les contours des cheveux. Voilà, donc c'est très, très sympa. Je vais lire ce que tu as marqué derrière. Donc ça s'appelle Garden. Cette ATC, c'est la une sur une. Donc elle a mis ses coordonnées, son mail. Donc elle dit scrap, couture, peinture, tricot. Elle aime le bleu, le rose, le moutarde et le violet. À chacun sa vision, bah oui, carrément, c'est ça. Et ben merci Odile, voilà ta présentation, ta participation. Je te souhaite bonne chance. Merci pour la petite carte, elle est très, très dans le thème en ce moment. J'aime bien ces couleurs, j'aime bien le Noël, mais traditionnel, j'en ai tellement. Je suis un peu saturée du traditionnel bleu rouge, vert rouge, tout ça. Même si je trouve ça joli, hein. Mais j'aime bien les tons comme ça, clair, gris clair, bleu clair, etc. J'aime bien ces kits-là, ils sont sympas. Donc merci, ta carte, elle va finir devant, là. Et elle est bien de saison en plus, donc c'est cool. Voilà, je te souhaite bonne chance, Odile, et à très bientôt. Et n'hésite pas, pour même si tu as besoin qu'on échange, tu as besoin de savoir comment on procède pour la chaîne, trouver peut-être un petit logiciel de montage très simple à utiliser. Hein. Attention, moi, j'utilise pas un truc compliqué. Si tu as besoin de conseils, n'hésite pas. Vide ta boîte mail, déjà, pour qu'on puisse échanger. Et puis, voilà, merci de me suivre. Je t'embrasse fort et à très bientôt. Bye bye.